Oui, bah, moment, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et ben, ma foi, que vous êtes tranquillement en train de nous regarder ce soir. Comme à l'accoutumée, bonsoir Daniel Compère. Bonsoir. Tu as passé une bonne semaine? Oui, ça va. Il ne faut pas se plaindre. Il y a des gens bien plus malheureux que nous. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc... Tu penses à qui en particulier? Non, je pensais globalement. Globalement, il y a des gens qui ne sont pas en forme physique, qui ne sont pas en forme morale. Bon, donc les petits soucis qu'on peut avoir, ce n'est pas grand-chose. Bien. Daniel Compère, donc rédacteur en chef du Progressiste, qui est déjà à l'antenne. Donc, en kiosque tous les mercredis. Merci beaucoup. Bonsoir, Gabriel Gallion. Bonsoir. Journaliste politique à France Antilles. Journaliste politique. Vous êtes sûr que le fauteuil va tenir jusqu'à la fin? Oui, pourquoi? Parce que je sens que plus j'essaie de faire un mouvement, plus je... Mais on ne fait pas de mouvement. Ah ben, tu parles, mais ça va tenir, ça va tenir. J'ai un poids. Je disais donc journaliste politique à France Antilles, oui. Mais aussi bientôt journaliste sportif. Non, pas bientôt. Non, tu l'es déjà. Tous les gueules, c'était quelque chose. Tous les gueules, oui. Depuis la semaine dernière, il n'arrête pas de boudoum. Non, je ne suis pas journaliste sportif, je suis journaliste politique, mais simplement passionné de gueule. Passionné, donc ouais. J'écris sous la gueule. Bientôt, là, tu vas écrire sur le foot, non? Ça ne t'intéresse pas? Non. Ah bon? Non, parce que justement, trop de passion. Bien. Tu penses que la France n'a aucune chance, c'est pour ça? Non, j'ai dit trop de passion pour écrire sur le foot. Je n'ai pas parlé d'équipe de France. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Michel Bonchy, bonsoir. Merci d'être avec nous. Rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, bon, je pense que ça va. Je veux dire comme Daniel que... nous pouvons penser qu'il y a beaucoup d'autres pour lesquels les choses vont moins bien. Alors, surtout en ce moment, en Martinique et en France, où il y a une situation sociale tendue. Bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Eddy Marajo, patron donc de Business News. Tu peux t'arrêter là. Je peux m'arrêter là, d'accord. Et qui nous a sorti la semaine dernière les 500 noms du pouvoir à la Martinique. Oui. Voilà. Et j'en profite pour vous remercier de votre... de votre aide, de votre support. Merci, merci beaucoup. Mais je crois que c'est, vous l'avez déjà fait remarquer, de toute façon, la presse écrite est complémentaire des médias, télé, tout ça, et ceci, cela. Donc c'est bien, j'aime bien qu'on sorte les commentaires de... La presse écrite est indispensable. Bien sûr. On avait dit que les réseaux sociaux allaient la tuer, n'est-ce pas? Je vois que les réseaux sociaux se servent d'ailleurs de la presse écrite. La presse écrite se sert des réseaux sociaux. Oui, ça arrive. Ça dépend quelle presse écrite. Ça dépend quelle presse écrite. N'entrons pas dans les détails. Mais enfin, toutes les formes de presse sont complémentaires et ont droit d'y citer. Bien. La semaine dernière, Alfred Marie-Jeanne était du côté de Cuba. Il a reçu un accueil présidentiel avec la garde d'honneur, tapis rouge et tout. Il ne s'est pas pris le pied dans le tapis comme Hollande quand même, hein, mais bon. Ça fait deux fois que tu la sors. Non, mais bien sûr. Non, mais là, j'ai vu les images, donc je le dis. On ne t'a pas montré le reste. On ne m'a pas montré le reste. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, source France Antilles, puisqu'il faut citer, Alfred Marie-Jeanne n'a pas voté, semble-t-il, l'histoire de réparation sur l'esclavage. Oui. Il a même demandé... que l'alinéa 15 soit réécrit et qu'à la place de réparation, je crois que j'ai noté cela, il a demandé de remplacer les termes réparation, indemnisation, compensation, il s'agit des séquelles de l'esclavage, par aide au développement. Ça n'a pas été suivi, je crois, pour la... Non, parce que la plupart des chefs d'État et de gouvernement de la région sont pour la réparation. Bien. C'est un débat important sur cette question-là, mais ça fait longtemps qu'à Justice, nous défendons cette position également, que la meilleure forme de réparation, c'est permettre au peuple, sinon pas une indemnisation, certainement pas individuelle. Surtout pas, mais que c'est de donner au peuple les moyens de réparer le retard économique qui a été causé par l'esclavage. L'esclavage est un des facteurs
qui explique le retard économique dans certains pays du sous-continent américain. Mais en disant ça à Cuba, il a beaucoup de chance d'être entendu sur ce problème-là, oui, Eddy. Je pense que cette problématique est une problématique extrêmement intéressante pour expliquer pas mal de choses. Alors moi, quand on m'interroge sur cette thématique, je dis que je fais le parallèle avec les autres crimes contre l'humanité, puisque la France a fini par reconnaître très tardivement que c'était un crime contre l'humanité, en disant la chose suivante. Il y a dans ce genre de schéma historique, il y a trois parties. Puisqu'il s'agit d'un crime, il y a l'identification des faits. Je crois que globalement, on passe notre temps à faire ça, mais on le fait très très mal. L'identification des victimes, et puis l'identification des auteurs des crimes. Mais ce pourquoi... Moi, je soutiens la réparation. Je soutiens la réparation, évidemment pas au sens financier individuel. Parce que je dis la chose suivante. Les nazis, ils ont commis un crime, on a identifié les auteurs, on a identifié les victimes, puisqu'il y a des murs sur la Shoah. Mais les nazis et le gouvernement allemand a réparé. Nous, ce qui manque, et ce qui va poser encore pendant des années et des années des problématiques directes, indirectes, qui va faire en sorte que les gens ne vont pas cesser d'en parler, il ne faut pas compter sur le temps pour faire les gens oublier, ce n'est pas vrai. Parce que les gens vont se réfugier derrière un certain nombre de, on va dire, de mobiles, d'alibi liés à ça. Nous n'avons pas identifier de manière très précise les auteurs. Nous n'avons pas décrit de manière très précise le crime. On dit l'esclavage. L'esclavage, c'était mettre des gens en esclavage, les faire travailler pour rien. C'est pas ça le crime. C'est ça, plus tout le reste. Les meurtres délibérés, les exécutions sommaires, les séparations. Voilà pourquoi c'est un crime contre l'humanité. À commencer par les enlèvements. Les enlèvements, les tueries, etc. Parce que si l'esclavage... La traite négrière est un crime contre l'humanité. Ben, des crimes contre l'humanité, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours, puisqu'il y a un rapport récent qui indique qu'il y a encore 47 millions de personnes dans le monde qui sont réduites à l'esclavage pur et dur. Ce qui singularise notre esclavage, c'est les crimes de sang qui sont mêlés à ça. Mais la vraie question, c'est qui doit payer ? Qui doit payer ? Et sous quelle forme ? Alors, le principal auteur, c'est peut-être pas celui qui en a bénéficié. Parce que si on doit faire payer ceux qui ont bénéficié, on va faire payer leur famille jusqu'à ne plus savoir quand. Et puis on va dire quoi ? On va dire, bon, ben, les béquets, comme c'est des descendants... Non, très, très clairement, c'est impossible à faire. Celui qui doit payer, c'est celui qui a été l'instigateur de ça. Et l'instigateur de ça, c'est un certain nombre de pays dont une partie de la richesse est directement liée à ce crime contre l'humanité, et ils doivent le payer. Alors le payer comment ? C'est pas très compliqué. Pour moi, c'est pas très compliqué. Les sommes, le gouvernement allemand a dit, ok, je suis responsable, je suis pas coupable, parce que c'est pas moi qui ai fait, mais je suis responsable. Bon, donc je vais voir les victimes, et je leur dis combien. Et on se met d'accord. Maintenant, la destination de ce fric, c'est quoi ? Ben c'est pas très compliqué. Nous, les Sept-Luciens, les Caribéens, etc., nous avons un retard de développement qui est dû en très grande partie à l'esclavage. Okay ? Et ce retard de développement continue aujourd'hui. L'État français dit la chose suivante. Un Français de métropole, je lui donne 12 000 euros en dépenses publiques. Un Martiniquais français de l'outre-mer, je lui donne 7 000 euros. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Okay ? Donc on continue à payer ça et on continue à ne pas bénéficier au moins de l'égalité d'investissement. Et là où il y a une vraie perversité, c'est que tous les candidats aux élections présidentielles passent nous voir en nous disant, les mecs, aujourd'hui, vos votes constituent 80% de l'écart de voix entre deux candidats au deuxième tour. Donc nous, c'est bizarre.
Au bout d'un moment, on doit dire aux gens, c'est pas compliqué, hein, le deal est le suivant. Soit on est français, soit on ne l'est pas. Alors si on ne l'est pas, bon moins à l'agent, frère. Bon moins à l'agent. OK ? Alors si on est français, et je peux te dire que le rattrapage, il va être autrement plus douloureux que l'argent qu'il pourrait mettre dans l'économie. Or, l'État français, comme l'État anglais, comme les États-Unis, etc., ne mettent pas un rond dans le développement économique de territoires qu'ils ont pillés, qu'ils ont envers des peuples qu'ils ont décimés, et les types ont bonne conscience juste en disant, eh ben, la bonne conscience aujourd'hui, c'est du blé. Gabriel, ton avis sur ça ? La question quand même porte sur l'intervention de la fin de mariage. La question, c'est sur deux positions philosophiques et politiques claires, c'est oui ou non, on est sur la problématique de la réparation, et si on est contre ce principe de réparation. Dès lors qu'on parle de réparation, qu'il y a indemnisation derrière. Ce débat n'est pas nouveau. Ce débat a existé dès le débat sur le texte de Christiane Taubira, l'esclavage, crime contre l'humanité, l'esclavage et la traite négrière, crime contre l'humanité. C'était à l'Assemblée nationale, Alfred Magin était député, Camille Darcier a également été député, et la question de la réparation a été évoquée, et tous les deux, et surtout Camille Darcier, qui s'est insurgé contre l'idée de réparation. On ne répare pas un crime. On ne répare pas un crime. Il me semble que ce sont les mots utilisés par Alfred Marie-Jeanne à Laval. Oui. On ne répare pas un crime. Ouais. Réparer un crime, ça me choque. Peut-on réparer un crime ? Non. Quand il parle de l'homme, bon, il est sur une position claire et nette. Il y a eu un esclavage, il y a eu une traite négrière. Donc, on est sur autre chose. Il y a une obligation de développer, une obligation de développement des territoires où il y a eu l'esclavage, etc. Ce qui est différent des territoires anglais, à l'AEC, qui compose la majorité, qui compose l'essentiel de l'AEC ? Il y a Cuba, il y a le Venezuela, il y a les pays hispanophones, mais il y a les pays anglophones. Lesquels pays anglophones au sein de l'OSIS ont déjà enclenché un processus de faire reconnaître cette nécessité de réparation par les puissances occupantes et dominantes et esclavagistes que sont l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, et la Hollande. Et qui n'ont pas reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. À l'inverse de la France. Exact. Donc ces pays sont dans une dynamique à laquelle l'organisation, l'AEC a adhéré, puisque la majorité de l'AEC est composée par ces pays anglais. La Martinique est membre associé. Il faut savoir qu'Alfred Marie-Jeanne, on peut interpréter comme on veut, mais il faut savoir qu'il parle au nom de la Martinique. Mais cette position de la Martinique qu'il a affirmée en faisant cet amendement n'est pas contestée par l'État français. Mmh. La France, de toute façon, peut toujours faire valoir qu'il existe la loi de reconnaissance de l'esclavage comme crime de l'humanité. Mais l'idée de réparation, ayant déjà été évoquée à l'Assemblée nationale et au Sénat au moment de la loi Taubira 2000, la problématique ne se pose pas en ces termes. Il y a un mouvement local, le MIR, mené par Garcia Marza, qui lui milite pour la réparation. Réparation et indemnisation. Et c'est pour ça qu'il y a eu le mot « quelle réparation ?» Réparation morale, réparation pécuniaire, et puis on fait quelle réparation ? Est-ce qu'on répare un crime ? Et c'est peut-être ça le nœud gordien de la question. Est-ce qu'on répare un crime ? Alors, pour répondre à ça, cette question, alors je ne sais pas si c'est la position de Gabriel quand il dit non. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la position d'Alfred Marie-Jeanne, de Camille Darcy, etc. Mais il suffit de reprendre l'histoire moderne, des crimes, ça s'est réparé. Et il y en a plein qui se sont réparés. Alors, on va en citer quelques-uns. Les Australiens sont arrivés, ils ont pris les aborigènes et ils les ont massacrés. On est d'accord ? Ils les ont réduits en esclavage. Une bonne partie d'entre eux ont vu leurs enfants capturés et mis dans des familles blanches dans les villes. Eh bien là, il y a une dizaine d'années, le gouvernement australien a dit « Bon, les mecs, on est vraiment désolés. Un, on reconnaît qu'on vous a trucidés, mis en esclavage, etc. » Et eh bien, la Fédération des tribus aborigènes a dit « Eh bien, les mecs, il va falloir verser de l'argent. Il faut réparer. Ce crime doit être réparé. » Eh bien, le gouvernement australien a ouvert son chéquier. Il a dit « Les mecs, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Eh bien, il y a trois niveaux. Un, vous allez donner de l'argent à toutes les familles, puisqu'il y avait les noms, toutes les familles dont vous avez tué des gens, okay, vous leur donnez
une indemnisation. Vous investissez dans toutes les infrastructures publiques, puisque nous, Australiens, nous pas ni la poste, nous pas ni l'eau, nous pas ni l'électricité. Et puis vous investissez dans la jeunesse. OK ? Voilà la réalité. Alors, on peut faire le choix de ne pas aller sur l'indemnisation individuelle, mais on peut faire le choix de dire au gouvernement français, nous, les Dominicains, à leurs anciennes puissances coloniales, que oui, on répare un crime. Les Australiens l'ont fait, les Anglais l'ont fait, les Allemands l'ont fait. Alors, les Allemands l'ont fait à deux titres. Ils l'ont fait pour les nazis et ils ont massacré en Namibie, ils ont massacré des centaines de milliers de Noirs, 14-18, et un peu après. OK ? Donc, ça se fait. Ce n'est pas dans la culture française. Et il faut arrêter l'hypocrisie. Parce que ce n'est pas compliqué. On ne répare pas un crime. Quand vous allez aux assises et que vous avez tué quelqu'un, il y a la partie pénale et puis il y a le civil. Et le civil, souvent, ce sont des indemnisations. On ouvre le chéquier et puis eux, l'État français, s'il a commis une faute, paye, il indemnise la victime ou sa famille et celui qui a commis le crime, on le condamne. Donc, dans la loi française, il y a la possibilité de réparer financièrement un crime. Donc les gens qui disent « est-ce qu'on répare un crime ?» sont hypocrites. – Donc à ce moment-là, Alfred Marie-Jeanne est hypocrite. – Mais bien sûr, Alfred Marie-Jeanne est hypocrite, Camille Dorcière. Non, il n'y a pas que lui. – On ne va pas faire un débat. – Non mais attends, je ne suis pas en train de faire un débat. Je donne mon opinion. Non. Je donne mon opinion et j'ai le droit de donner mon opinion. – Oui, mais tu les autres aussi. Mais attends, deux secondes. Mais je t'ai laissé parler. Mais tu m'as interrompu parce que j'ai pas fini. Non, tu m'as interrompu. Je ne sais pas si mon opinion. Mais non, mais tu as dit. J'ai décrit pas tout le monde en même temps parce qu'on s'entend pas. J'ai décrit une situation qui s'est passée à l'Assemblée nationale. Il y a eu un débat. Mais tu n'as pas cité Alfred Marie-Jeanne. Tu n'as pas dit. Tu as dit. Est-ce qu'on peut réparer un crime? Tu as dit non. Je viens de citer, justement, c'est la réponse d'Alfred Marie-Jeanne. Ah ben très bien, mais je n'ai pas dit que c'est justement, c'est la réponse, vous avez bien écouté, c'est la réponse d'Alfred Marie-Jeanne à la vanne. Est-ce qu'on répare un crime? Réponse non. Oui, très bien. Ça, c'est Alfred Marie-Jeanne. Bien. Donc, si Kadessa est hypocrite? Oui. Mais Daniel, on va passer. Il peut avoir débat, mais la première, c'est pas nous du fait. Non. Daniel. On est quand même là pour. Pour porter l'information. Je n'ai fait. Attention. Je n'ai fait que porter des informations depuis tout à l'heure. Oui. OK? Et évidemment, allons arrêter l'hypocrisie. On donne de temps en temps ici notre opinion, on est d'accord. Tu as donné ton opinion. Tu m'as interpellé pour me demander si quelqu'un qui pense dans le droit, je parle du droit moi, je ne parle pas d'une opinion, je parle du droit. Dans le droit français, mais il n'y a pas que le droit français, il est possible de réparer un crime. Donc quelqu'un qui viendrait dire, ce n'est pas possible. Quelqu'un a le droit de penser que ce n'est pas bien ou que c'est mal. Mais quelqu'un qui viendrait dire, attention, dans notre droit, ce n'est pas possible, je lui réponds, c'est faux. C'est bien. Tout. Alors, Daniel, ensuite voilà. Michel. Moi, ce que je voulais dire, le débat est très intéressant et ne sera pas clos ce soir. Ce que je veux dire, c'est que dans le mot réparation tel qu'il existe dans les consciences, j'allais dire dans les mentalités, fait référence, on l'a dit, à du fric, du blé, comme dirait Eddy. Bien. Surtout, ce que je pense, c'est que ceux qui sont opposés à la réparation, c'est un, ceux qui disent il n'est pas possible de réparer un crime contre l'humanité. Et deux, surtout, la réparation, financière notamment, semble dire... Je vais employer une expression économique, pour solde de tout compte. Exactement. C'est-à-dire qu'après ça, on n'en parle plus. C'est fini. C'est fini. L'esclavage, c'est quand même moun, et puis ça, fini, puis baïta, nous a réparé, donc là, terminé, on n'en parle plus. Qui dit ça? Non, je dis qu'il y a un risque. Ah, d'accord. Tu es balé quand même. Ouais. D'accord? Ouais. Tu es balé. Non, pour solde de tout compte, si pas. Jamais, et si jamais, avec une solde. Michel. Non, mais. Sur ce point précis, je suis d'accord avec Daniel. Oui. Il y a l'idée que, et ce qui m'a toujours gêné, même si j'ai beaucoup de sympathie pour le MIR, le mouvement de Garcin-Valsin, ce qui m'a toujours gêné,
c'est que l'idée qu'une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Or, en réalité, l'esclavage des nègres est un crime contre l'humanité, certes, mais à partir de présupposés philosophiques occidentaux, que l'esclavage des nègres était justifié parce que le nègre était un animal. On a d'ailleurs la représentation du noir. Je ne fais pas de comparaison avec d'autres ethnies, mais quand même, il y a une spécificité. Il y a une animalisation du noir. D'ailleurs, la preuve, Taubira elle-même a été caricaturée en singe. Bien sûr. Avec une banane. Bon. C'est-à-dire que ce sont des sous-hommes. Ce qui veut dire qu'il persiste dans l'Occident un mépris à l'égard de la race noire, aux États-Unis, partout. Et c'est pour ça que je partage l'opinion d'Alfred Marie-Jeanne, que la réparation, c'est le devoir de mémoire. C'est le devoir de mémoire. Et c'est précisément ce volet de la loi Taubira, qui est un des volets de la loi Taubira, qui est resté peu appliqué en France. Donc, alors bien sûr, également le développement, nous sommes d'accord, le développement économique, par exemple, le retard de développement économique en Martinique. Je vais prendre un exemple simple. Je pense que les députés d'outre-mer n'auraient pas dû accepter le principe que l'on applique sous prétexte qu'on est dans la République française, le principe de la baisse des dotations budgétaires, de la même manière qu'en France, à partir de ce principe. Parce que nous sommes en retard de développement. Eddy, et puis après on passe à un autre sujet. Ce sera opposé, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non, mais ce serait inscrit. Il me semble, juste pour ton information, pour te prendre la suite, il me semble qu'au moment des discussions en loi de finances, nos députés d'outre-mer, je dis d'outre-mer, c'est qu'il n'y a pas que les DOM, tous ont fait remarquer que la dotation, l'effort d'État en matière de réduction des dépenses publiques, l'imposer à l'outre-mer qui a déjà un retard considérable en matière de dotation. C'est une double punition. C'est une double punition. Ouais, et que, au moment du vote, bon, il y a le vote global, les réponses faites à nos chers députés, malgré leurs protestations véhémentes ou pas véhémentes, et que tout le monde participe à l'effort national. Voilà. Il n'empêche que. Ça, c'est vrai, c'est un constat. C'est un constat. Mais le fondement de cette protestation aurait dû prendre sa racine, sa justification dans la situation née de la nécessité de tenir compte d'un retard de développement qui est lié précisément. Bien. On passe à un autre sujet. Alors, le fondement de l'argumentation, et c'est là que je ne suis pas d'accord, le fondement de l'argumentation est le suivant. Si on parle réparation, il y a un risque d'oubli. Alors, un, les gens qui demandent la réparation ne demandent pas un solde de tout compte. C'est faux. – Je n'ai pas dit ça. – Non, non, mais tu as dit, il y a un risque. Donc, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Parce que l'ensemble des expériences au niveau mondial de réparation prouvent le contraire. Vous pensez sincèrement que la communauté juive oublie, après avoir touché des indemnités, oublie ce que les nazis ont fait? Mais ils cultivent ça. Parce que, bien évidemment, c'est fabuleux en termes de communication. Ok, vous pensez sincèrement que les aborigènes oublient? Donc il n'y a pas de risque d'oubli. C'est même inscrit dans les textes qui signent les conventions d'indemnisation. C'est inscrit, ça veut dire, vous nous donnez de l'argent pour commémorer l'événement, les frères. Ce n'est pas à nous de nous cotiser, c'est vous qui nous financez. Ok, c'est quand même fondamental ça, donc il n'y a pas de risque. Mais l'hypocrisie, elle est où? Et c'est ça qui est quand même fabuleux. Et je rejoins ce que Michel dit quand il dit... Nos députés n'auraient pas dû accepter. Mais nos députés, ils acceptent pire que ça. Bien sûr. Nos députés acceptent l'idée que, contrairement à ce qui se passe en France, les finances publiques locales soient financées par nos impôts sur l'octroi de mer. C'est un scandale monumental. Ça veut dire que tu es dans une ville. Attends. Tu es dans une ville. Mais oui, c'est un scandale. J'apprends 3 points. Mais non, non, moi, pas pour 3 points. Les autres, puisque ça t'a dit. 3 pour 3. Mais non. 3 bons. Tu dis, par exemple, ils auraient dû ne pas accepter la baisse des dotations. Mais le premier truc qu'ils auraient dû ne pas accepter, c'est que
Nous sommes les seuls en Outre-mer, ok ? Les gens de l'Outre-mer sont les seuls en France à financer leur commune avec de l'impôt pris sur les importations. Là, il ouvre un autre. Mais non, mais attendez, oui, laissez-moi finir. Attends, tu peux pas. Ça s'appelle de la guérilla. Attends, tu peux pas me péter toutes les 5 minutes. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allons-y. Donc l'hypocrisie, elle est là. Ça veut dire en clair que nous sommes sur 90% de la réglementation locale. Nous sommes en décalage, ok ? Quand on lit le texte du père Lurel, il ne fait que mettre le doigt sur quelque chose qui est réclamé par la population, mais pas par nos élus. Parce que nos élus, quand ils arrivent là-bas, on leur dit, bon les mecs, vous avez suffisamment d'aide comme ça ? Suffisamment d'aide ? Le montant, juste un chiffre, hein, le montant de l'aide européenne que la Martinique va recevoir sur 5 ans, maintenant, c'est entre 600 et 800 millions d'euros. Oui. OK ? Et ça, c'est notre appartenance à l'euro. OK ? Que nous n'avons jamais voté. On est d'accord. On n'a jamais dit, nous les être européens. Jamais. OK ? Jamais. Un. Deux, eh ben, si on appliquait tout simplement des droits de douane normaux sur le montant de nos importations, le montant qu'on récupérait par an, et si on fait ça sur 5 ans, serait 3 fois supérieur à ce que l'Europe nous dit. Donc l'Europe nous dit, comme vous êtes européen, vous n'avez pas le droit de prélever des impôts, et on va vous donner 800 millions d'euros. OK ? Alors, on n'a pas changé de sujet, je résume. On se fait avoir depuis très longtemps et très profond. Par contre, on n'a pas le droit de réclamer l'égalité. OK ? On nous dit, mais les mecs, vous avez tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Ouais. Bon, alors, très rapidement, il faut qu'on passe à un autre sujet. Vas-y, Michel. Effectivement, je crois que ce n'est pas ce soir que nous allons conclure sur ce débat. Ce que je fais observer quand même, parce que ça, c'est la dernière observation dédiée est juste, à propos de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'aide européenne. Seule la dernière, alors. Oui. Bon. Là, tu cherches le combat. quand il dit que. En gros, l'aide européenne, c'est 100 millions d'euros par an. Bon. Je compare, l'octroi de mer, c'est un peu plus de 200 millions d'euros. Autrement dit, c'est l'équivalent de ce que, avant l'intégration européenne, un fonds qui s'appelait le FIDOM, hein, accordait au département d'outre-mer. Autrement dit, la France s'est retirée en matière d'investissement, parce que l'Europe l'a remplacée, et en même temps, elle nous laisse financer nos activités, nos aides sociales, par l'octroi de mer. Donc, effectivement, ce que je veux dire par là, que ce n'est pas véritablement une aide supplémentaire au développement, et en plus, elle est conditionnée. Elle est conditionnée, on nous dit... Voici le plan de développement de l'Europe, voici les créneaux dans lesquels nous avons vous aider. Si vous voulez bien mettre votre apport, parce que c'est une aide qui est complémentaire, conditionnée, on va vous donner de l'aide. Mais si vous n'êtes pas de l'argent dans le numérique, par exemple, eh bien on ne veut pas vous aider. Donc, très bien. C'est une fausse aide. Et tu parlais des taxes ponctuelles, tout ça, c'est un petit peu ce que pratique Saint-Barth, gagne beaucoup d'argent avec ça. Enfin, bon, ce serait intéressant ce jour que tu nous donnes les chiffres, les recettes de Saint-Barth, qu'on puisse comparer avec le système. Le truc que je vais vous envoyer, c'est la déclaration de l'ONU qui, sur les crimes contre l'humanité, qui intègre directement dans le texte et qui a été votée à l'unanimité, qui indique très clairement que ceux qui sont coupables de crimes contre l'humanité doivent réparer financièrement leurs crimes. C'est dedans, je peux vous le lire si vous voulez. Or, qui en Martinique, quel député dit écoutez, on n'a qu'à appliquer la loi internationale. Tout simplement. Bien. Mais évidemment, il y a hypocrite tellement que jamais il n'y a pas qu'à élever des bâtards. C'est que vous n'avez pas l'air hypocrite. Alors, on passe à autre chose. Il y a une autre guerre là en ville en ce moment.
Oui, il y a une autre guerre larvée en ce moment entre la ville de Fort-de-France et la CTM concernant cette histoire de lycée Chelcher. Là, le... Ah, ça. Ben non, mais c'est l'actualité. Histoire hein, sans fin. C'est une histoire sans fin. Mais là, je vois que le maire de Fort-de-France écrit au président de la CTM pour lui dire qu'il fait des travaux sans autorisation administrative. Ouais. Je voulais simplement avoir votre avis sur cette affaire-là, parce que j'ai vu que Daniel Marissette a répondu en disant qu'ils ont toutes les autorisations nécessaires. Ouais, c'est juste pour que le téléspectateur comprenne ce qui se passe, quoi. C'est tout. Hein. C'est pas... Non, mais bon... Il y a peut-être des sujets plus graves, mais ce sont des sujets qui intéressent les Antilles. Vous n'avez pas dit « on a », c'est extraordinaire, ça. Oui. Oui. Non, alors, en fait, alors, c'est quoi la vérité dans cette histoire? Tu veux la vérité? Oui. Oh là. Donc, il y aura une contre-vérité. Il y aura une contre-vérité. Attention. La vérité, ce sont des manœuvres de retardement. Et effectivement, c'est une guerre... Je dirais, c'est une guerre picocoline. Pour employer un terme un peu précis. Un peu précieux, oui. Je veux dire par là que c'est une petite guéguerre qui n'empêchera pas que, d'une manière ou d'une autre, il faut en finir avec cette aberration. Je suis d'accord, mais la vérité administrative, elle est où il y a ou pas l'autorisation de faire des travaux. Je ne rentre pas dans ce débat. D'accord. Il faut rentrer dedans. Je ne rentre pas dans ce débat. Volontairement. Oui. Je ne veux pas dire le fond de ma pensée. Ne dis pas. Tu es rédacteur en chef du journal de ce soir. Je ne rentre pas dans le débat de savoir, parce que je vous dis une chose. Ce type de procès peut durer 3 ans devant un tribunal administratif avec un bon avocat. Bon. Entre-temps, le lycée Chelcher sera construit. Voilà, c'est ce que je dis. Très bien, parce que tu es aussi élu municipal, donc tu as les deux côtés, tu as la vérité des deux côtés, en plus. Hein. Je t'ai donné mon point de vue. C'est voilà, une manœuvre. C'est simplement une manœuvre de retardement politique qui se cache derrière la feuille de vigne de la réglementation. D'accord. Alors, ok. Moi, j'y vois une manœuvre, non pas de retardement, comme il a dit, mais une fuite en avant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que la CTM, je n'ai nommé personne, la CTM sait pertinemment qu'aucune construction de quelque ordre que ce soit ne peut se faire sans permis de construire. C'est tout. D'accord. C'est simple. Construction. Ouais, mais oui, eh bien, le terrassement, c'est déjà une construction, un début de construction. Bien. J'ai reçu des photos Michel encore aujourd'hui qui le prouvent. Je ne te mêlais pas à mêler. Bah. Bien. Alors. Il y a quand même. C'est là qu'on voit l'hypocrisie une nouvelle fois. Il y a 2000 maisons en Martinique, qui se construisent chaque année sans permis de construire, on est donc, d'accord. Donc, le maire de Fort-de-France, comme le maire de Foncé-Denis ou comme le maire du Marais, devrait s'occuper davantage des baraques qui sont construites sur son territoire sans permis de construire que ça. Okay, voilà la réalité. Parce qu'après, les types, 2000 baraques, alors, c'est de la folie furieuse, quoi. C'est-à-dire qu'après, il faut mettre l'électricité. Et l'eau. L'induction. Il faut mettre l'eau. Les VRD. Il faut construire des routes. Il faut mettre le téléphone. OK? Parce que, a priori, on ne peut pas ni Internet. Bogayou, sous pani, en fil qu'arrivé. Quoi. Tu peux avoir ça sur ton téléphone, mais pas sur ton ordinateur. Il faut un truc. Donc, le problème est le suivant, c'est qu'on se bat, et tu as raison de souligner ça, mais on se bat en Martinique pour des problématiques qui n'ont rien à voir avec la réalité et le caractère dramatique parfois de la réalité. Je viens de faire une étude sur les gens non raccordés. Okay, il y a 45 000 personnes en Martinique qui n'ont pas l'électricité ou l'eau. C'est encore... On est pays riche, quoi. 10% de la population côté nous aller. Voilà la réalité. Alors, ces maires-là devraient s'occuper de leurs problématiques au quotidien plutôt d'emmerder le peuple, tu vois, avec des conneries. J'ai remarqué que dans les... Tu as nommé un certain nombre de villes, tu n'as pas nommé le François. Hein. Bon, j'ai dit 2A, en passant. En passant, pardon. Il y a tout à d'accord. Et pourquoi il citerait le François?
Pourquoi il ne citerait pas Alors pourquoi il ne citerait pas François? Parce que attends, François. Ça y est. Il est d'origine, François. Non mais c'est bon, mais non, monsieur Nilier. Qui le François? Attends, alors pourquoi le pourquoi pas le moment nous c'est d'esprit, pourquoi le François? Pourquoi pas Macouba pour un je rassure les téléspectateurs. Non mais attends, c'est pas là, le rabattina. D'une question ben rabattina, le François pas répondre. Non, j'ai dit pourquoi pas le François? Pourquoi pas le François? Parce que bon, j'ai couru en train, bon, on va pas ton interpellation. Je vais recevoir. Je vais recevoir un appel du maire. Du maire du François. Bon, allez, on va passer de notre sujet. Le matin, il n'y a plus ce qu'il va raconter. Ah, je sais pas. Et il va nous faire savoir ça bientôt. Et à Fort-de-France encore plus, parce qu'il y a des coupures, ce qui ne met pas. Je vous donnerai la liste. D'accord. Alors, bon, ça sera intéressant. Ah, oui, ça sera intéressant. Non, là, on passe faut, à autre chose. Il faut savoir si oui ou non, c'est des gens qui ne sont pas raccordés parce qu'ils ne sont pas raccordés, ou des gens qui ne sont pas raccordés parce qu'ils ne sont pas payés. Parce qu'ils ne sont pas payés. Ou s'ils ne sont pas raccordés parce qu'ils ont construit sans permis. Aussi. Il y a ça. Oui, non, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà, et oui. C'est l'essentiel. Pour toi, petite baraque sur un terrain, on ne va pas en faire un fromage non plus. C'est l'essentiel. Bon, allez. On est beau gars, que de haine. Une haine abyssale. Alors, on va aussi sortir de la Martinique, mais bon, on ne peut pas passer certaines choses sous silence ces jours-ci. Le Conseil d'État qui va se prononcer, soi-disant, peut-être prochainement sur les comptes de campagne d'Alfred Marie-Jeanne. C'est la même chose, hein, tout à l'heure. C'est la même chose qui continue. Mais bien sûr. D'accord. C'est des manœuvres de retardement et d'obstruction. Je ne suis pas d'accord. Non, mais non. C'est la même chose. Michel essaie de ramener tout mais c'est la même chose. À sa cuisine intérieure, à chaque élection. Oui. Alors, je prends la chose différemment. Oui. Tout électeur a le droit de contester une élection. Oui. Non, tout électeur a le droit de contester une élection. Dans le droit, oui. À chaque élection, il y a des recours, individuels, collectifs ou autres. Mmh. À chaque élection, pas plus celle de Marie-Jeanne que celle de Letchimy, que celle de Didier Laguerre, que celle de XYZ, je fais exprès de citer ces noms-là. Bon, on ne va pas en faire un fromage. Le plus souvent… – Là, oui. – Mais oui, là, il y a un fromage. – Non, il y a un élément historique qu'il faut quand même rappeler. Parce qu'il y a des gens qui disent… – Tu m'as interrompu. Excuse-moi. Non, excuse-moi, je crois que tu avais fini. – Non, j'allais dire simplement… – Je crois que tu avais fini. – Non, mais non, vas-y. J'allais dire… – Comme tu as eu une petite inflexion de la voix… – Oui, mais pas d'inflexion, tu as dit ça après l'inspiration. – Je reprenais mon souffle. – Je t'en prie. – Le plus souvent, allais-je dire… Le Conseil d'État rend un arrêt, un non-lieu, on va dire ça comme ça pour aller vite. Plus souvent. Il faut vraiment qu'il y ait des circonstances, des inexactitudes, des irrégularités suffisamment fortes pour penser que ça a influé sur le résultat du vote. Il y a deux, dans la jurisprudence, il y a deux éléments qui sont quand même fondamentaux. Le premier, c'est l'écart de voix. L'écart de voix, exact. Tout à fait. Ok, oui. Bon là, l'écart de voix est quand même extrêmement important. Mais il n'y a pas que ça. Il y a simplement le strict respect de la loi, attention. Et puis là, il y a aussi la volonté, de me semble-t-il, l'intention. La volonté affichée. Frauduleuse. Bon. Et puis, il y a quand même l'histoire de la Martinique. Je vous rappelle que l'élection de M. Camille Darcière a été annulée. La guerre. Élection régionale. Précise. En 1986. Okay. Oui, mais bon, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas… Non, ce n'est pas vrai. Non, 90, puisqu'on a refait les élections en 92. Oui. Et en 92, Capgras a gagné. C'est 90, l'élection de 90 qui a été annulée. Oui, mais je vais te donner, 90. Parce que l'élection de 90 a été annulée et on l'a refaite en 92. Et pourquoi l'élection de 90, puisque le mandat est de 6 ans? Non, ce n'était pas un mandat de 6 ans. C'était un mandat comme il y avait… Ils n'ont pas refait l'élection de 86 pour 6 ans? Non. Les 86. Oui, mais celle de 86. Oui. Elle a été annulée en 90. Elle a été annulée… Non, c'est pas ça. Non. On va rentrer dans L'élection de 86… Parce que les mandats, c'est de 6 ans. Voilà. Les mandats de 4 ans. Non. Pour cette première élection, le mandat avait été de 4 ans. Cette première élection de 86, les mandats… La première élection, c'est 83. Oui. 3 ans, 86, 83, création de la région Martinique. Le 20 février. 3 ans, puisque la France passe en région en 86. Exact. Élection régionale nationale en 86. La Martinique revote en 86, élection régionale. Voilà. Pour 6 ans.
jusqu'à 92. L'élection en 92 qui reprend en 94. Non, l'élection c'est 92. Capga arrive en 92. Donc ouais. L'élection. Donc il y a une annulation. Il y a une annulation. Mais bon, on va rentrer dans les détails, je vais retrouver les textes. Mais en tout cas, il n'est pas incongru qu'une élection. Une élection, on ne parle pas d'une des listes, hein, c'est une élection qui est annulée. Voilà. Okay, il y a plusieurs cas en France d'élections, aux élections régionales, d'élections annulées qu'on a dû refaire. Dernièrement, vous êtes au courant, dans la région Midi-Pyrénées, la tête de liste de droite s'est trouvée invalidée, sa liste invalidée. Alors, il n'avait pas gagné, mais parce qu'il n'avait pas le droit de se présenter. Donc, il y a l'écart de voix qui est un élément fondamental, et puis il y a l'intention frauduleuse. La différence, c'est que là, le cas est un peu différent. C'est-à-dire, c'est le compte de campagne. Oui, c'est ça. C'est pas pareil. Le compte de campagne est une notion qui s'est intégrée récemment dans le cursus politique électoral, qui fait que vous avez un plafond à ne pas dépasser, et que si vous le dépassez, votre compte est annulé, donc votre compte n'est pas validé, et du coup, votre élection, si elle est personnelle, vous êtes inéligible. Parce que celui qui porte la liste, qui porte le compte de campagne, peut être déclaré inéligible pour non-validation du compte de campagne. Et c'est ça l'objectif. Bon, oui. Inéligibilité. C'est ça veut inéligibilité de la tête de liste ou du candidat, ça ne veut pas dire annulation d'élection. Absolument. Un compte de campagne, jusqu'à présent, tous les comptes de campagne qui ont été invalidés ont entraîné l'inéligibilité des porteurs des comptes invalidés et non-annulation d'élection. Il pouvait avoir, la jurisprudence elle est large, donc on ne peut pas dire mais c'est un examen, mais là, en l'espèce, il y a un citoyen qui a porté un recours contre. – Ce n'est pas un citoyen ordinaire. – Michel. – Ce n'est plus non. – Michel, m'a pas parlé. – Non. – Un citoyen. – Non, mais c'est un citoyen qui est téléguidé. Non. – Bon, attends. S'il est téléguidé, il est tout téléguidé. Parce que t'as là aussi téléguidé. On va arrêter. Bon. Mais bien sûr, en cochelle. Michel. Allons pas donner de nom. Non, vous ne pouvez pas. Parce que justement, on ne va pas entrer, Michel, on ne va pas entrer dans ce numéro-là. Parce que ce que je vois circuler depuis 24 heures sur les réseaux sociaux, à mon avis, ça n'a pas du tout la moralité politique qui est en train de se développer. Oui. Oui, monsieur. Alors, je crois qu'il y a un moment, il faut peut-être arrêter un petit peu le. Non, c'est sur le principe. C'est qu'on restons a sur le principe, c'est que le type a posé un recours sur le financement de la compte de campagne de la liste donnée par Alfred Marie-Jeanne. Ouais. Il a déposé un recours auprès de la commission de validation des comptes. Il a été débouté. Mon père est fini. Il a été débouté. Et sur les arguments échangés, et les arguments échangés tant par lui que par Alfred Marie-Jeanne, la commission des comptes a estimé qu'il a validé. Il se trouve que lui amène des éléments a posteriori. Qui renforce son argument, ce qu'il n'a pas pu pour donner un certain nombre d'éléments. Et la commission, pourquoi le Conseil d'État, lui, interpelle tout le monde? Parce que la commission de validation des comptes, regardant les arguments qu'il amène, pas se déjuger. Estime que ces arguments, on ne sait pas qu'elle ne peut pas se déjuger, c'est qu'elle n'est plus en légitimité de reconsidérer la validation. Elle ne peut que transmettre. Donc elle transmet au Conseil d'État. Conseil d'État les éléments qui lui arrivant a posteriori, mais qui étaient déjà dans un premier dossier, viennent renforcer et aborder. Elle estime que cette partie-là peut-être mérite un examen. C'est au Conseil d'État de décider si oui ou non, il valide le compte ou il ne valide pas le compte. Très bien. Voilà. Mais juste pour revenir sur quelque chose que tu as dit, si le président de la CTM est invalidé. Si la tête de l'Isafred Marie-Jeanne, si le compte de la tête de l'Isafred Marie-Jeanne est validé, lui, président de la CTM, il est rendu inéligible. Mais les il peut être rendu inéligible. Oui, dans le cas. Dans ce cas. Mais pas aller vite, parce que nous ne pas comprendre. Mais non, mais il faut expliquer. Si, mais justement, pas aller vite. Si il est rendu inéligible, il est président de la CTM, de par le texte qui définissent. L'officialisation ou la démission du conseil exécutif font que s'il est rendu inéligible, tout le conseil exécutif tombe. Tombe, voilà, d'accord. Exactement. Mais l'élection n'est pas annulée, voilà. On parle d'inéligibilité d'un, on parle du conseil exécutif, on a parlé d'élection. D'accord, très bien. Je pense que là, c'est plus clair pour tout le monde. C'est l'inéligibilité qui est recherchée dans ce cas, comme dans le procès. Très honnêtement, on est quand même là pour donner un certain nombre d'opinions, enfin, si je ne m'abuse. Comme je l'ai dit pour cette histoire de procès,
je le dis à nouveau, le Conseil d'État ne va pas rendre Alfred Marie-Jeanne inéligible. C'est clair, ok, pour des raisons qui sont d'abord des raisons de fond, mais surtout des raisons politiques. Ok, c'est pas le moment. Ok, c'est pas le moment parce qu'on veut, un, on s'engage dans une élection. Vous allez me dire, ouais, mais les magistrats sont indépendants. Tu parles. Ah bon, je n'ai rien dit, monsieur. Tu parles. Bon, en clair, on est dans une élection. Parce que bon, les gens, ils ont besoin de matière aussi pour réfléchir. On est dans une élection présidentielle. Vous pensez sérieusement que les candidats aux élections présidentielles, dont probablement le président actuel, va se mettre à mettre la pagaille dans les DOM alors qu'il a besoin de 80% des voix des DOM pour gagner l'élection? Jamais. Alors, ça interpelle quand même parce que le Nicolas Sarkozy s'est retrouvé avec ses comptes invalidés, même s'il n'était pas président de la République, il n'est pas passé. Non, mais ce que je veux dire par là. Il n'a pas été rendu inéligible. Il n'a pas été rendu inéligible. Je vous rappelle que le président du Conseil constitutionnel avait sur son bureau les comptes de Jacques Chirac. Compte pourri. Pourri. Et il dit la chose suivante. Il fait allusion à l'élection présidentielle de 97. Non, pas 2002. Jacques Chirac vient de battre Le Pen. OK ? Oui, 2002. On apporte les comptes de campagne de Jacques Chirac à Roland Dumas. Il regarde les comptes de campagne et il dit. Socialiste, hein, on est. Socialiste. Mmh. Il regarde les comptes de campagne et il dit Jacques Chirac s'est foutu de ma gueule ou quoi ? C'est du n'importe quoi. Et l'ensemble de ses conseillers le regardent et disent alors. Qu'est-ce qu'on fait ? On invalide Jacques Chirac ou pas ? Bon, gars, fait un dossier et dit bon, candidat suivant, terminé. Et il le dit, hein. Et tous les mecs autour disent oui, c'est vrai. Donc voilà. Non, mais la question que le téléspectateur. Non, mais la question que le téléspectateur peut se poser aujourd'hui, si, je dis bien si, puisqu'on ne sait pas. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez des sources, mais je ne sais pas. Si effectivement il s'avère qu'il y a eu ce genre de problème et qu'on n'invalide pas, ça veut dire qu'un certain nombre de personnes peuvent faire des choses et rester intouchables. Mais ça a toujours été le cas. Ah bon, parce que tu découvres. Tu te mets à la place du téléspectateur moyen. À parler de Chirac, ça veut dire que bon. Je crois que là, on a tombé dans un porte qui n'est pas bon. Eddie a raconté l'anecdote qu'a rapportée Roland Dumas. Oui. Mais la question, c'est pas juste qu'il s'est foutu de ma gueule. La question est une vraie question politique de fond. C'était le compte de campagne du président du candidat élu président de la République. Face à qui ? Contre Le Pen. Contre Jean-Marie Le Pen. Ouais. C'était la première fois qu'il y avait ce cas d'espèce. Le rapport faisait état qu'il y avait des irrégularités dans le compte de campagne. Ce ne sont pas celles de Nicolas Sarkozy. Hein. Entre parenthèses. Bon. Mais n'empêche, la question se posait. Si on prend la décision d'aller jusqu'au bout de la logique, à ce moment-là, donc on va à l'invalidation. Ouais. Avec le risque il est président de la République en exercice. Il est président de la République en exercice. Nous sommes en 2002. La situation nationale, elle n'est pas, c'est pas l'eau de rose. D'accord ? C'est pas du tout l'eau de rose. Et en même temps, ça pose la question de fond. L'institution républicaine qui se trouve être paralysée, anéantie, parce que le président de la République, on le fait descendre. On recommence une élection. Oui, c'est facile à parler. Mais le type qui a la responsabilité, il se rend compte de tout ce que ça implique comme conséquence politique, diplomatique, financière, toute. C'est surtout politique et diplomatique. Quelle est la position d'un pays républicain dans ces cas-là? Aux États-Unis, la question s'est posée aussi. On va invalider un président qui est déjà en place depuis 6 mois, 1 an, parce qu'il y a un dépassement de la campagne de. Je vais schématiser. 2,50 €. On peut rendre inéligible un candidat aux municipales pour 60 €, pour 150 €. On invalide pas le président de la République pour 2,50 €. Oui, en l'occurrence, c'était pas 2,50 €. Non, mais bon, oui. J'ai schématisé. Parce qu'il faut quand même que les téléspectateurs sachent de quoi il est question. Bien sûr. La question, c'est que il est reproché à la liste de Marie-Jeanne que des émissions de la radio RLDM auraient été filmées et ensuite diffusé en vidéo sur Internet. Bon. Utilisé dans la propagande électorale. Non, et diffusé. et diffusé. On ne dit pas par qui. Or, nous savons très bien. Que n'importe qui peut capter. YouTube, c'est des supports. Bon.
YouTube, n'importe qui peut taper. C'était sur YouTube. Bon, en tout cas, YouTube, ouais. En tout cas, c'est epsilon par rapport à, aux moyens utilisés par son adversaire principal pendant les 6 mois qui ont précédé l'élection. Et on ne peut pas dire que cela est faussé. L'argument est bon, là, il est sorti. Hein. Que cela est faux. Parce que le but de cette loi sur les comptes de campagne, c'est d'éviter qu'il y ait une disproportion de moyens de propagande entre les candidats de façon à fausser le suffrage universel. Eh bien, si on cherche bien, c'est de l'autre côté qu'il y a eu un abus de propagande pendant les 6 mois qui ont précédé. Donc, je pense que tous mes petits camarades sont d'accord avec moi, il n'y aura pas d'annulation d'élection et il n'y aura pas de mise d'inéligibilité. Alors, l'article quand même, je cite le Grand Journal, l'article 52.8 du code électoral entraîne l'annulation du compte de campagne de la liste concernée et l'établissement de nouvelles élections. L'inéligibilité durant 1 an du candidat et de sa liste pourrait également elle n'est pas automatique. Elle n'est pas décidée par le Conseil. Non, mais la loi attention, la loi dit clairement, et il a raison, la loi dit clairement, et vous avez raison, qu'il y aura élection. Si. Non. Oui, si le compte est annulé. Si le compte est annulé. OK. Donc, l'inéligibilité, c'est... Pour une vidéo. Mais il n'y a pas une vidéo. Rassure-toi, Michel, ne t'énerve pas, rassure-toi, ce ne sera pas le cas. Par contre, si c'est le cas, dont tout le monde connaît, Michel, que la patronine couvre tout mal à la tête, si vous voulez. Attends. Mais on regarde ce qui est arrivé à DSK pour un petit dérapage aussi. Non, je ne tombe pas. Alors, c'est la réalité. Alors, on est sur le point de terminer, mais on ne peut pas non plus. Je voulais votre opinion. Sur 2 choses qui se sont passées avec des ministres cette semaine en métropole, en France. En France, je veux dire. Oui, en France, pardon. Ah oui. En France. Macron qui a été hué par les manifestants, il a pété des en tête, tout ça. Au prix où la ministre du Travail. La ministre du Travail où la CGT a été. Non, mais attendez. Moi, ce que je voudrais, votre opinion, ce que je voudrais savoir. Mais rappelle les faits jusqu'au bout, parce que le téléspectateur, il n'a pas. Mais je sais que vous allez le faire, mais moi, question. Non, mais finis ton. Alors, la question, ce que je voudrais savoir, c'est que. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une dérive, c'est-à-dire qu'un ministre, il représente quelque chose. Je ne parle pas du ministre de Macron, peu importe le ministre. Je me dis, est-ce que. J'ai l'impression qu'on a désacralisé un petit peu le. Certaines choses. Et aujourd'hui, on s'attaque à des gens qu'on n'aurait jamais vu avant. C'est pas la première fois qu'un ministre. Prend une tarte, par exemple, une tarte à la crème. Non, le petit chouchou Macron, qui est le chouchou des médias, a reçu des œufs. Et alors La prochaine fois. Mais je sais, mais bon, sur le principe. Les travailleurs à qui on va imposer une loi qui va faire retourner la France. Avant 1910, ça c'est pas important ça. Hein, alors, et puis on est en train de nous bouffer avec l'euro. Non, faisons un petit rappel historique. Oui. Parce que j'ai l'impression, comme beaucoup de gens, tu dis il y a une dérive nouvelle, soudaine, etc. Oui, moi je pense au flic qu'on a, la voiture qu'on incendie, c'est dans ce sens-là. Mais non, mais il faut dire. Expliquer. Mais non, mais il faut se rappeler un certain nombre de choses. Alors évidemment, comme les gens oublient, un exemple très simple. Il y a une militante anti-nazie. Il se lève un jour dans une réunion, un parlement, et va voir le président de la République d'Allemagne. Okay, ça se passe en 1957. Et elle lui fout une baffe en direct à la télé. Boum, 1957. Nous pourrons... 58 ans. Voilà. Mais oui. Madame Klausfeld, chasseuse de nazis, elle se lève. Et évidemment, le président de la République allemande à cette époque-là est un ancien nazi. Voilà. Donc elle lui balance une baffe. C'est pas par hasard qu'elle lui a mis la baffe. Voilà, elle lui a mis la baffe pour ça. Donc, c'est en direct. C'est une réunion officielle du Parlement allemand. Et évidemment, aujourd'hui, des œufs par rapport à ça, le geste, tu imagines. Imagine François Hollande recevoir à la tribune. Bon. On n'est rien. Enfin, on ne fait que répéter ce qui s'est déjà passé. Non, c'est pas extraordinaire. Dans la vie politique, aussi bien en France qu'ailleurs, on voit bien des représentants des États
être. Les chaussures, bouche, les chaussures. Mais sans causer interpellé et injurié par un militant, a-t-il, il lance « casse-toi, pauvre con ». Vous vous rappelez ce jour-là ? Oui. Oui. Ah oui ? Bon. Et le type avait copieusement insulté Sarkozy. Bon, Macron qui dit okay. Pour se payer un costard, il faut travailler. Ouais, ouais. Et bon, c'est violent. C'est violent. Ouais, violent. Ouais. Un militant cégétiste bon, qui a un t-shirt. Ouais, quasi. Bien, alors Gabriel, on te laisse donner le dernier sujet très rapidement puisque. Ah, très rapidement. Oui, puisque bon là, il clignote déjà là-bas. Vas-y. Quoi, qu'est-ce que tu veux voir ? Ben, cette Lucie. Tu as le choix. Je te signale qu'il y a le décès de Mohamed Ali. On a parlé de l'esclavage de la réparation. Non, oui, c'est mais non, c'est funérailles, c'est... Son souhait entièrement. Ensemble. C'est pas Nina Kimen, par exemple. Bon. Et son éloge funèbre prononcé par Bill. Clinton. Bill. Non, il y a... Non, par contre, il y a l'euro qui va commencer, là. Ça, on va changer. Ouais. On va changer un peu de sujet. Il y aura pour mes ministres qui vont se faire tenter ça y est. Un petit teaser, passant. Non, il y a déjà l'euro, c'est déjà une chose. Ceci étant... il y a quand même l'élection du Premier ministre de Chastanier là. Eh ben, c'est à côté de lui. L'anecdote. Il y a le mot plaisir. L'anecdote, ce qui se trouve être parent qui a le mot plaisir. On peut toujours faire sur le plan de la plaisanterie. Tiens, il y a un axe familial qui se met en place. Un axe politique familial qui se met en place. C'est pas nous qui avons dit ça. Moi, Marali. On peut se demander s'il n'y aura pas un axe politique familial. L'un, c'est parti des travailleurs. L'autre, c'est à nous pas payer un choc. Il faudra le traduire en anglais, c'est plus sien. Non, mais. Alors, cette émission va être de plus en plus regardée. Cela veut dire. Non, cela veut dire que, un, sur les pronostics, il y en a beaucoup qui se sont trompés. Oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui parlaient d'une défaite de Kenny Anthony. Oui, c'est vrai. C'est une chose. Donc, il y a peut-être une observation à faire. Deux, c'est qu'on s'aperçoit qu'en réalité, c'est toujours les mêmes partis qui font l'alternance à Saint-Lucie. Ah ben, j'ai dit, oui, bien sûr. Qui, quelque part... Système anglais, hein. Et peut-être fait que la démocratie fonctionne, puisque celui qui provoque les élections anticipées, il se fait dégager. Il fait les élections anticipées, passant à renforcer et rester renforcé. C'est bien ça que je me dis, c'est anticipé, là. Bon, et... en France, c'est une erreur. Et ça, c'est une erreur. Deuxième chose, c'est qu'en réalité, à partir du moment où il y avait déjà des liens avec Saint-Lucie, n'oublions pas qu'on est, Saint-Lucie, comme la Martinique, sont membres de l'IOCO. Ouais. L'IOCS. Membres de l'AFC, membres de l'IOCO. Les liens, la liaison maritime. Il me semble qu'il y avait un qui voulait faire un pont. Oui. Arrête. Ah, tu penses que le pont ira jusqu'à Sainte-Lucie ? Arrête. Bon. Pas faire moins 10, ça m'a pas dit. Je peux pas que je traite quand même un dernier dossier. Cela veut dire qu'il pourrait y avoir, de par la communauté de langage entre l'un et l'autre, que la liaison des échanges commerciaux Martinique-Sainte-Lucie pourrait se trouver facilitée dès lors qu'on parle avec le même dictionnaire. D'autant qu'ils parlent l'un et l'autre anglais et créole. Je suis tout capable d'anglais, tous les deux, puis créole, mais ils sont tous les deux. Mais en français, alors, ça la nationalité, ça peut Sainte-Lucienne, rapidement, Alain Michel, Chastanet, Daniel, pardon. Alain Chastanet a tenu à dire, sans doute parce que c'était une télévision de Martinique, c'était que l'un de ses principaux dossiers, c'est le rapprochement Sainte-Lucie-Martinique. Bien. Oui, normal. Non, normal. Je vous laisse rapidement, oui. J'attends plus, vas-y. C'est quand même que le Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche a prononcé la révocation de Fred Célimène et a infligé à Kevin Logosa dans la Fédération de Grimace. Alors, lui, Kevin Logosa, 5 ans d'interdiction d'exercer sans salaire. Éric Carpin, deux ans d'élection, s'est exercé sans salaire dans l'affaire Sérégna. Donc il y avait une affaire Sérégna alors. Donc, oui. Il y a une affaire Sérégna. D'accord, ok. Voilà, c'est tout, je le signale. Bien, c'est loin d'être terminé. Merci beaucoup. Je voulais faire un petit jeu avec vous, on n'a plus le temps, là, les autres, là, avec leur lumière verte. Mais bon, on va faire ça la prochaine fois. Ah non, mais tu nous mets en appétit là. À qui appartient cette chaîne ? Non, c'est pas ce que j'allais demander. C'est pas ce que j'allais demander. J'avais envie de vous demander si vous vous mettez dans la peau d'un homme politique. J'avais envie de savoir qu'est-ce que vous auriez fait sur. C'est une question qu'on ne pose pas des journalistes. Tais-toi. Sur quoi ? Laisse-le finir. Laisse-le finir. Mais pas la peau de. Sur quoi ?
Ça dépend. Alors, bon, on va en parler la prochaine fois. Mais là, tu as rendu tes téléspectateurs frustrés. Non, il sait jouer le feuilleton. Comme ça, ils seront là la semaine prochaine. Merci beaucoup, messieurs. On appelle une télé-novela. Passez un excellent week-end. Bon week-end. Et puis, j'espère qu'il ne sera pas plus vieux. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao. Il sera plus âgé, sinon plus vieux.